Je m'appelle Olivier, je suis conducteur d'engins et ça me plaît. Donc je conduis tous les types d'engins agricoles, tracteurs, moissonneuses, arracheuses, pulvérisateurs. Donc en semi, on intervient sur 450 hectares et après il y a 120 hectares de pommes de terre. C'est plus qu'un plaisir, c'est une passion. J'allume mes boîtiers en arrivant à la parcelle, mon GPS, mon boîtier de semoir, mes écrans de caméra pour voir mon semoir à l'arrière. Puis après, quand j'ai mis le nom de la parcelle dans le GPS, je fais ma ligne AB pour pouvoir commencer ma parcelle. Maintenant, dans les véhicules, on a plein d'automatismes pour surveiller le régime de prise de force, régime moteur. La nouvelle technologie nous facilite le travail pour une aide à la conduite. On peut surveiller autre chose que garder où on va, on peut surveiller plus le semoir. Presque toutes les machines sont équipées d'autoradio Bluetooth avec la clim et puis on met la musique qu'on veut. On est comme dans une voiture dans nos machines. Donc ma journée type, c'est j'arrive le matin, je vais voir mon patron, il me donne le programme à suivre dans la journée, d'attaquer telle parcelle avec la variété à mettre dans le semoir, le dosage. Au mois d'octobre, on est en train de semer du blé et de l'orge. On a 6 variétés de blé et 4 variétés d'orge. Et en semis de printemps, après on fait du lin. Plantation de pommes de terre, colza, betterave aussi. Quand j'arrive au matériel, la première chose à faire, c'est vérifier le niveau d'huile moteur, le niveau de liquide de refroidissement, le niveau d'huile du pont arrière, puis après regarder s'il n'y a pas d'anomalie, commencer l'entretien, le graissage et puis niveau moteur. Ce matin, obligé de changer un roulement sur un élément semeur, parce que le roulement était usé et bloqué le disque qui ne pouvait pas tourner. Donc en fait, dès qu'on part le matin, on prend notre big ball de semence qui fait à peu près 600 kg. On le verse dans la trémie. Et après, dès qu'on pose le semoir, on met la herse rotative en route pour pouvoir ameublir le terrain. Et dès qu'on avance, il y a une roue qui fait la distribution suivant la graduation qu'on a mis pour le dosage. Et après, du moment que cette roue-là fonctionne, le grain est distribué en terre. Et après, il y a tout un système de profondeur à regarder pour que ça soit pas trop profond. Il faut que le blé soit semé à peu près entre 1,5 cm et 2 cm. J'adore ce travail parce que c'est ma passion. Je suis arrivé à ce travail parce que depuis tout petit, je suis attiré par l'agricole. C'est devenu ma passion. Il n'y a pas besoin de permis particulier. Il y a juste permis voiture pour pouvoir se déplacer. Dans nos tracteurs, on a une manette, tout est pratiquement sur la manette. D'une main, tu peux presque piloter le tracteur. Et tu as une main qui reste sur le volant. Et sur le joystick, tu sers du relevage avant, du relevage arrière. Tu peux gérer ta vitesse d'avancement, tu peux presque tout faire sur le joystick. La pomme de terre, elle se récolte avec une arracheuse. En fait, il y a les deux buttes de pommes de terre qui sont faites. On baisse un ensemble où il y a des bêches qui viennent soulever la pomme de terre.
La pomme de terre monte sur des tapis. Il y a deux chaînes de tapis, donc la terre est dégrossie. Tout ça tombe dans ce qu'on appelle le ring, c'est un autre tapis qui emmène en haut de la machine. Ensuite, ça tombe dans la trémie, et dès que la trémie est pleine, on peut la vider dans une benne. Bah, pour être bon conducteur, il faut être rigoureux dans son métier, faire attention au matériel parce que c'est pas le sien, mais il y a une somme d'argent dans les mains. Faire du bon boulot pour que le client soit satisfait, puis les patrons aussi. Du moment que le travail est bien fait, après, on reste autonome. Une fierté, c'est, oui, de nourrir le monde. Si j'ai un conseil à donner à un jeune, s'il est passionné par ce métier, qu'il a envie d'être en pleine, libre, et puis qu'il n'hésite pas, qu'il tente sa chance, c'est le pied, ce métier.